Salut à tous, sur C8, on se retrouve pour l'épisode 17 de des Indestructibles. Donc on est de retour pour le scénario du premier jeu en version Lego, donc on va avoir fini le 2, voilà. La dernière fois on avait infiltré, on avait été retourné sur l'île, voilà. On a affronté les espèces de méduses mécaniques, voilà. Sauf que là on était dans le repère du secret du méchant, voilà. On avait retrouvé Pierre Zéro Bien, un truc comme ça je crois. Et on avait fait la mission, voilà, alors que de base en film il est mort quoi. Et voilà, et on avait filtré son ordinateur. Et puis on avait trouvé des plans, voilà. Et après on s'est arrêté juste de, ouais, on s'est arrêté dans la maison de la mode, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et l'Estigirl, voilà. Et on va continuer. Donc on va avoir les nouveaux costumes. Pas trop bon. Non, je sais pas, vous entendrez peut-être des sortes de ronronnements. C'est que j'ai une petite minette qui est mon petit chat qui est sur ma jambe. Si on sait où se trouve Bob, qu'est-ce qu'on attend? Tu as raison, on passe notre temps à discuter. Blablabla, 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 bla, que de temps perdu. Je vais te montrer mon travail. C'est pour ça que tu es là. Elle est longue. C'est dommage. On va jouer un peu de la mode parce que... C'est vrai qu'on... Je la vois mais... Au moins avec les trucs. On pousse ça, Elastigirl. On va faire le code secret. Edna, mode. Plus une. Il reste violent là, pas encore visité. C'est gentil, Edna, mais qu'est-ce qu'on fait? Bien, assieds-toi. Franchement, il a respecté le laboratoire. Lambdon, il va pas, on le voit juste comme ça, je crois, extrait. Enfin, je veux dire dans le jeu, quoi. C'est magnifique, ça. J'ai trouvé que... Oui, ça se... Est-ce que tout va bien, Edna? Non, il n'y a rien qui va. La compétence, c'est une qualité qui se fait rare. Ah, mon Dieu, on va devoir le faire nous-mêmes. Oh, ça n'a pas l'air de fonctionner. Je vais aller la réparer et tu viendras mettre une nouvelle batterie. Je peux savoir pourquoi Elastigirl, tu ne l'as pas suivi. Thank you.
bien. Tout cela pour la mettre en place. Merci de m'avoir emmené ici, Edna, mais je dois vraiment retrouver Bob. Ce projet a pris mon existence en otage, darling. Seul un super projet peut me consumer à ce point. C'est un chef-d'œuvre. Simple, élégant et osé. Ok, enfin, on est prêt à commencer. Viens, assieds-toi. Bon, c'était bien l'idée. Faire un petit truc sympa. On ne voit même pas, quoi, c'est vrai. Prêt, messieurs. Merci. Comme tu le constateras, ces costumes sont totalement indestructibles. Il se lave en machine et passe au sèche-linge. Snug, tu sais que tu me dois une faveur. Qu'est-ce que tu veux? Un jet, le plus rapide que tu aies. Tu es bien, monsieur indestructible. Et j'avais raison de t'idolâtrer. J'ai toujours su que tu étais un dur à cuire. Mais te servir d'un super qui a été blessé, ça me défrise, rien que d'y penser. Mais après ça, t'es parti en cacahuète. Hein? L'immense monsieur indestructible appelant à l'aide. Au secours! Au secours! Ah! En fait, tu as contacté qui? Contacté? Je ne vois pas de quoi tu parles. Passe la communication. India Golf 99 en approche de l'île. En vol à vue. Terminé. Bien! Assure-toi de tout enlever. Il n'y a plus rien? Hein? Ah. Tu connais donc ces gens, apparemment. Oh, dans ce cas, je leur envoie le comité d'accueil. Violette! Flèche s'est enfuie. J'étais sûre que t'allais m'en vouloir. J'ai cru qu'il s'était caché dans l'avion, alors je suis montée. Flèche! Mais t'as fermé les portes avant que je le trouve, je vais le et t'as tout de suite décollé. Et c'est pas ma c'était faute! C'était ton idée à 200%! Une minute, une minute. Vous avez laissé Jack tout seul? Vas-y, maman, prends-moi non, pour une débile. On a trouvé j'ai appelé quelqu'un, une babysitter. Une dame géniale. On pour une irresponsable. Pas comme ça. Très bien, ça va. Alors, qui c'est? Je pense que ça va être sympa d'avoir le passage jouable. India Golf 99 à toutes les stations. Désengagé, je répète, désengagé! Désengagé, je répète, désengagé! Violette, tu dois générer un champ de force autour de l'avion! Mais tu disais qu'on devait pas servir de nos pouvoirs! Je sais! Obéis à ce que je dis maintenant! Désengagé, je répète, désengagé! D'accord, je vois pas ce que je dis, bref. Hein. Maman! 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 Réveille-toi! Elle a perdu connaissance! Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Dans la forêt, dans l'épisode, mais là. Maman! Réveille-toi! Réveille-toi! Puisqu'on va se faire écraser comme des insectes, je veux te dire que t'es la meilleure sœur du monde! Ça va aller, Flèche. Identification incomplète. Le sujet est trop rapide. Il me fiche la trouille. Aide-nous, robot oiseau bizarre.
C'est bien d'avoir mis ce passage là. Bon, t'avais les mots du monde émo qui faisaient à moi. Accrochez-vous! On est mort, ça y est! On est vivant, mais on est mort! Je suis en vie! C'était trop cool! Attention! Nos bagages sont toujours débarqués en dernier! Super! Tu as vraiment emmené ces trucs? Tu croyais peut-être que ce serait utile? Je me suis dit qu'on partait peut-être en vacances. Il doit y avoir quelque chose d'utile dans le fuselage. Je dois faire monter Violette. Violette, viens par ici. Bon, j'ai pas trop le choix. Sauf si tu préfères rester là, traîner au milieu des débris. On doit sortir d'ici. Qu'il peut y avoir dans ces valises. Elles ne sont pas à toi? Non, ce sont les valises du cochon. Peut-être qu'elles sont pleines de saucisses. Pourquoi un cochon aurait une valise pleine de saucisses? Ça suffit. On peut se concentrer sur ce qu'on a à faire et pas sur des cochons volants. Merci. Oh, je ne peux pas l'attraper. Il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait utiliser? C'est magnifique, ça. Aucune idée qu'on ait fait. Il n'y en a pas assez. Je me demande s'il y en a d'autres qui flottent dans le coin. Peut-être là-dedans? Beau travail, Violette.
des trucs utiles à l'intérieur. Je crois que maintenant elle a rejoint les poissons, hein. Ça a l'air profond. Je ne suis pas sûre de pouvoir retenir mon souffle aussi longtemps. Oh, je sais, Violette, sers-toi de ton champ de force pour créer une bulle. C'est une bonne idée, Flèche. Violette, tu veux bien le faire? Je suis déjà en train de le faire. D'accord, si j'ai pas le choix. A emporté un tas de saleté. On trouvera forcément quelque chose dans ces valises. Hé, hey, tu vois que ce ne sont pas des saletés? Et toc! Tu vois, j'avais raison, Violette. Ouais, si tu le dis. Hé, hey, il y en a un autre là-haut. Je suis sûre que je peux vous aider. Allez les enfants, il faut qu'on sorte de ces ruines. On doit commencer à construire. Est-ce qu'on a un bateau? Non, vous avez une mer flexible. Accrochez-vous, les enfants. On y va!
L'impact a été confirmé. La cible a été détruite. Oh, c'est rien. Tu vas t'en remettre. Ah. Imbécile. J'avais raison pour ces oiseaux bizarres. Oh, désolée, maman. Attention, les enfants. Ah ah, c'est énorme. Fais bien attention, Flèche. Tu n'as que 10 ans. Quelle bande de casse-pieds. C'est la suite de la mission. Pouvoir parler à Tony Ridinger fait bien plus peur que ces trucs. Thank you.
si je peux te donner quelque chose de mieux pour courir. Merci, Sorette. Directement. Voilà, tiens, maman. Merci, Violette. Je dois pouvoir faire quelque chose avec ces pièces violettes. Oh, j'ai une idée. Finalement, vous allez pouvoir me rejoindre. Oh, t'es vraiment nul. Non, c'était bien. Attendez ici, je vais trouver comment nous faire traverser. Thank you.
Conduit. Je dois y entrer pour voir où on est. Violette, tu nous aides à passer les lasers? C'est peut-être un vaisseau spatial. Oui, des pirates de l'espace. Et papa a été enlevé comme au cinéma. Ce ne sont pas des aliens. Économiser de l'électricité. Je flèche, ce n'est pas cool. C'est quoi ces trucs? Aucune idée, Violette. Fais attention. Voilà.
sinon quelqu'un va nous voir. Ah, c'est une mongolfière, genre. Je crois que votre père a des ennuis. Au cas où t'aurais pas remarqué, on a aussi connu des jours meilleurs. Je pars à sa recherche. Ce qui veut dire que tu es responsable en mon absence, Violette. T'as bien entendu. Restez cachés. Veillez l'un sur l'autre. Je reviendrai à l'aube. Il y avait le cochon corse qui est dans le truc. Ah oui, bon, la lettre, la scène va être bloquée. Ah oui, ils l'ont mis, sauf qu'ils l'ont... Il faut vraiment monter quoi le truc. Ils sont en vie? Oui. Je suis désolé, monsieur Indestructible. Je me rends compte que syndrome... Hélène? Oui. La voix se prend un temps dans la gueule, tellement. Identification, je vous prie. Hé, hey, Violette! Quoi? Code vocal incorrect. Code vocal? Code vocal incorrect. Attends une seconde. Hein? Mais il ne nous aidera pas à nous échapper. Ils nous ont trouvés. Flèche, attention! Ils nous visent! Wouhou! Enfin! Ok, un de moins. Mais je crois qu'ils n'étaient pas seuls. Derrière nous, attention!
J'ai pas passé loin. Ouais, c'est long. D'habitude, 2 contre 2, c'est censé être équitable. On peut le faire, Flèche. Désolé. C'est rien, mais concentre-toi. Je crois qu'il se prépare à attaquer. Là, c'était moins une. Oui, on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Tiens toujours. Je vais bien. Continue de courir. Prépare-toi à sauter. D'accord, mais je saute parce que j'en ai envie. Pas parce que tu le demandes. Flèche, si tu veux pas te faire toucher, tu dois sauter. On se voit rien qui sont forts, c'est vrai. On va être à la fin du jeu. Moi. Derrière nous. Pourquoi est-ce qu'il n'abandonne pas? Je peux pas le semer. Il est trop près de nous. Trouve un moyen de t'en débarrasser. Je suis incroyable! Tu m'auras pas! Ces trucs sont vraiment trop nombreux! Ça en fait plus à fracasser! Wow! Et encore un méchant vaincu par Flèche! Encore ce perroquet? Ça suffit! Je vais en finir avec cette saleté de robot! Et il est au sommet du vaisseau! Comment on va monter? Ha! C'est trop facile! On t'en remplira par 100%. Les enfants, vous n'avez rien? On se faisait du souci. J'ai cru ne jamais vous revoir. Oh, vous n'avez rien. Quel bonheur, une famille de super. Je crois que j'ai décroché le jackpot. Oh, merci Père Noël. Ah, on a fini. Un super épisode quand même. C'est génial. J'ai bien aimé. Enfin, toute poursuite avec... contre les méchants avec... Ah, on débloque aide la mode, voilà. La flèche et puis Brett pour chaper aux méchants. Hein? Hein? Oh, franchement, reconnaissez au moins que ça en jette. C'est donc, comme dans un film. Entrez ça devrait être le théâtre final. Et quand tout le monde aura perdu espoir, Syndrome les sauvera. Tu veux dire que tu as tué de vrais super-héros pour devenir un super imposteur? Je suis un vrai héros, capable de te battre à plate couture. Je suis navré. Tout est ma faute. J'ai été un mauvais père, sans voir tout ce que j'avais. J'étais tellement mal à l'idée d'être sous-estimé que je vous ai tous sous-estimés. Bien, on dirait que papa a vraiment fait énormément de progrès, mais il est temps de passer aux choses sérieuses. Oh non, désolé. Attends. Violette. Oups. Bon, chargement.
un épisode quand même qui va être assez long. Essayer de voir qu'on ferme pour avant, on peut en faire deux parce qu'on ne sait jamais. On doit retourner sur le continent. J'ai vu un hangar à avion en chemin. C'était tout droit, je crois. Ce sera l'avant chapitre. On verra selon où commencer. Donc voilà, moi je vais arrêter là pour l'épisode 17, il me semble, des Insurgés. Donc n'hésitez pas à vous abonner après la vidéo, c'est fait sur ça. Plus bye.